Je m'appelle Prudence, j'ai 24 ans et je fais partie d'une association qui s'appelle IACA, qui a été fondée en 2012 par une formidable femme du nom de Sarah Goget. Et donc en fait, j'aurais donc besoin de 250 euros. Donc pour t'expliquer un petit peu notre assos, c'est très simple, c'est une association qui est basée aussi bien sur l'initiative de la jeunesse, on lutte pour l'égalité des chances et également l'échange interculturel. Alors, voilà, c'était une expérience où on devait être en totale immersion avec les villageois. Donc pour en revenir à ce que je te demandais par rapport à la contribution, comme je te l'ai dit, voilà, on aura besoin de 250 euros pour pouvoir financer notre voyage. Bon, en fait voilà, comme tu le sais, depuis le début de l'année, depuis octobre, je me suis inscrite dans une association. Il y a trois phases, donc une première phase où on fait tous les ateliers qui durent 300 heures, au bout d'un moment, en tout. À la deuxième phase, on part en voyage dans un pays, soit en Inde, au Sénégal ou en Haïti. Et pendant cette phase, on va nous-mêmes faire les ateliers qu'on a fait pendant la première phase et on va les faire avec les villageois. Donc c'est basé sur l'échange interculturel. Et à la troisième phase, on va construire un projet. On demande de rapporter une subvention de 250 euros. Du coup, je te demande si tu peux m'aider à apporter ça, à contacter tes collègues. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais j'aimerais prendre un peu de votre temps pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Je fais partie d'une association qui s'appelle Yes Academia. Et en fait, dans cette association, on a 300 heures de formation qui vont se dérouler sur trois phases. Donc la première, on a des ateliers. La deuxième, on va faire un voyage où on va nous-mêmes animer les ateliers. C'est un échange interculturel. On voyage dans des pays, donc il y a le Sénégal, Haïti, l'Inde. Moi personnellement, pour ma part, je pars au Sénégal. Et la troisième phase, on va monter un projet qui sera soit en lien avec notre voyage ou un projet autre. Pour la deuxième phase, donc le voyage, on a besoin de récolter 250 euros. Si vous pouvez soit contribuer, vous pouvez donner ce que vous voulez. Alors, je me présente tout d'abord, je m'appelle Nour, j'ai 19 ans et je suis étudiante à Saint-Denis à Paris 8 en première année de lycée. En entrant à Saint-Denis, je me suis rendu compte, je suis tombée sur un stand qui présentait une association qui s'appelait Yes Academia, qui est une association dont je fais partie aujourd'hui. Elle propose d'aider les jeunes citoyens comme moi qui sont porteurs de projets, d'idées, de projets futurs, une curiosité culturelle et qui aimeraient développer un projet, que ce soit à l'étranger ou même ici en France. Bonjour, je me présente à vous aujourd'hui pour vous parler d'une association à laquelle je fais partie. Là, c'est un projet vraiment très humain et établi en trois phases. La première phase, on est à peu près 30 jeunes qui ont donc à peu près mon âge. On apprend d'abord à se connaître, à participer à des ateliers, donc on a à peu près 300 heures sur 14 mois. La deuxième phase, on va donc partir en voyage. Il y a déjà d'anciens lauréats, c'est comme ça qu'on nous appelle. Qui ont voyagé par exemple en Inde, au Sénégal, en Haïti, précédemment aussi au Nicaragua. Donc le but c'est de faire une immersion dans certains villages qui ont été choisis et d'appliquer les ateliers qu'on a pu faire. Et par la suite, j'ai besoin de votre aide pour financer une partie de ce voyage. Donc j'aurais besoin de 250 euros et même 1 euro, peu importe ce que vous voulez donner pour m'aider. Voilà, je viens à vous car je fais partie d'une association d'échange interculturel qui me permet de voyager à l'international. IACA, Yes Academia, afin de créer des projets entre pays et surtout entre jeunes. Votre parti politique se nomme En Marche. J'ai envie de marcher avec vous. J'ai envie que vous me vous, vous
vous me donniez envie de marcher plus loin en dehors des frontières françaises. Donc voilà, j'aurais besoin de 250 euros pour financer l'association. Et donc, voilà.